Eh bien salut à tous, c'est Romain PC et aujourd'hui pour le tutoriel numéro 6 des tutos pratiques de programmation sur Casio. Alors aujourd'hui, comme me l'a demandé NoxxXZone, je vais vous apprendre à faire des barres de chargement ou des petites animations de chargement. Bien que je le rappelle, ce n'est pas très utile sur Casio parce que ça va décupler encore plus le temps de chargement si vous avez quelque chose à charger. Mais graphiquement c'est joli, donc pourquoi pas. Donc j'ai préparé les programmes. Donc là par exemple vous avez un programme qui va être une succession de ce que je vais appeler étapes. Donc ça va être une boucle, ce que j'appelle une boucle à laguer, donc une boucle for qui ne sert à rien. Donc là elle va s'exécuter 1000 fois, donc à peu près une seconde. Et après ça donc on aura fait l'étape 1. De la même manière j'ai fait pour l'étape 2, pour l'étape 3, la 4 et la 5. Donc bien sûr en fait ces blocs, ces boucles à laguer représentent des morceaux de votre programme, donc ça va être ensuite à vous de vous arranger justement pour que ce que j'appelle l'affichage des étapes se mette, soit disposé un peu partout dans votre programme. Donc vous avez un programme qui fait une longue série de calculs, et bien par exemple la première étape ça va être le calcul de telle chose, la deuxième de telle autre chose, enfin etc. Donc après c'est vraiment, les possibilités sont infinies. Donc voici ce que donne le programme, voilà. Donc on a un programme qui, vous le voyez, met du temps avant d'afficher, donc une seconde à peu près entre chaque étape. Et donc, je vais vous apprendre à faire une barre de chargement. Donc vous reprenez ce programme, et vous allez ajouter ceci. Donc avant, vous allez ajouter sur la deuxième ligne et première colonne, donc colonne 1, deuxième ligne, vous allez ajouter une barre, suivie de 10 espaces, et ensuite d'une autre barre. Vous allez voir pourquoi. À la fin, quand chaque étape sera terminée, on va faire avancer la barre de chargement. Donc pour ce faire, aux coordonnées 2, 2, donc colonne 2, ligne 2, on sera toujours sur la ligne 2, vous affichez 2 carrés. Après l'étape 2, vous faites la même chose, mais donc à la colonne 4. Après l'étape 3, vous faites la même chose à la colonne 6. Après l'étape 4, à la colonne 8. Et après l'étape 5, à la colonne 10. Et vous pouvez afficher un message pour dire que c'est terminé. Alors je vous montre ce que ça donne. Voici votre barre de chargement. Voilà. Donc, vous savez faire à peu près des barres de chargement. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment on fait une barre de chargement. Si vous avez un programme qui, comme tout à l'heure on l'a vu, qui fonctionne différentes étapes de programme. Si par exemple votre programme est une boucle, donc je prends par exemple, vous avez un programme qui doit s'exécuter 10 fois. Donc qui par exemple doit générer, moi je vais prendre par exemple vous faites un jeu de cartes qui va générer les valeurs, distribuer les cartes à haut 10 joueurs par exemple. Donc là vous allez faire 10 fois ça. Et ensuite donc là j'ai représenté le calcul de génération des cartes par une boucle à laguer, hein, que voici. Donc qui va s'exécuter 500 fois, donc une demi-seconde à peu près. Et bien donc vous allez voir ce que fait ce programme, donc il n'a pas de barre de chargement. Voilà, donc là on voit bien à chaque fois il fait les calculs, etc. Et donc là, je vais vous apprendre à faire une barre de chargement sur ce genre de programme. Donc voici. Donc je vais vous commencer par afficher une barre, suivie d'une petite flèche. Alors je me suis permis de faire des petites fantaisies, vous allez voir, c'est assez amusant. Suivie de 9 espaces par conséquent, et d'une autre barre. Donc là, vous avez le programme donc avec les boucles à faire 10 fois. La boucle à laguer qui représente les calculs. Le même l'affichage, et ici, en fait, c'est tout simple. Vous avez juste à afficher aux coordonnées E plus 1. Pourquoi E plus 1? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a la petite barre qui est ici. Donc, vous allez afficher un carré suivi d'une petite flèche. Donc, à chaque fois, le carré va s'avancer, la petite flèche aussi. Et enfin, quand c'est terminé, vous affichez, alors vous raffichez la barre à la fin, tout simplement, parce que la petite flèche, la dernière, va se mettre sur la dernière barre qui est ici. Voilà. Donc, et ensuite, le voilà pour dire que c'est terminé. Je vous montre ce que ça donne. Hop, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et voilà. Donc déjà, vous savez à peu près faire des barres de chargement. Vous allez voir que ça peut être utile. Encore une fois, l'affichage, ça prend du temps. Donc c'est vrai que sur Casio, c'est pas forcément pratique. Mais bon, si vous avez un programme qui met 10 minutes entre chaque étape, au final, vous êtes plus à 5 secondes près. Enfin voilà, après, c'est vraiment, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc maintenant, je vais vous apprendre à faire des petites animations. Alors,
Voici donc comment faire une petite animation qui ne sert pas à grand chose, mais on va voir ensuite comment l'adapter à un programme. Donc là c'est vraiment l'animation au début du jeu, juste pour faire patienter les gens, juste pour les agacer. Donc pour ça bien sûr, on va faire une animation avec un point qui va tourner sur l'écran. Donc comme c'est un point, il va lui falloir deux coordonnées A et B. Donc j'utilise toujours les locate, les coordonnées A et B, donc 9 et 2. Bien évidemment, vous pouvez, dans tout ce que je vous ai montré, vous pouvez, comme pour les barres de chargement, vous pouvez utiliser les pixelon qui utilisent le menu graph. Donc pixelon, vous trouvez ça dans le catalogue. Donc voilà. Donc on va faire une animation donc qui va se répéter indéfiniment. Donc voici une boucle infinie. Alors while 1, c'est un bon moyen de faire une boucle infinie. On peut mettre tant que 1 différent de 0, etc. Et j'ai appris récemment que mettre tant que un nombre ou n'importe quoi, ça marchait. Donc vous allez commencer par afficher un espace aux coordonnées AB. Pourquoi? Parce qu'en fait vous allez effacer l'ancien point. Ensuite on va calculer les nouvelles valeurs de là où doit être le point. On va le placer. Et ensuite donc on va faire un petit temps de latence pour avant de faire le prochain déplacement du point. Quand j'entends déplacement, c'est effacer l'ancien, afficher le nouveau. Comment on va faire pour calculer les nouvelles coordonnées du point? Alors voici un petit schéma. Voici, vous avez les points donc qui vont se déplacer. Alors soit on va avoir le point qui est dans les deux carrés là, qui va devoir se déplacer vers la droite. Donc autrement dit, sa colonne va augmenter de 1, donc A va augmenter de 1. Pour ce faire, donc c'est pour ça que j'ai élevé la condition, si A est strictement inférieur à 11, donc si la colonne est 10 ou 9, et que la ligne est 2, donc ligne 2 ici, alors donc on va aller vers la droite, d'où le A plus 1 affecté à A. Ensuite vous mettez un sinon, faites bien attention au sinon, sinon ça ne marchera pas, tout simplement parce que la variable A a été modifiée et donc les conditions d'après vont prendre en compte cette valeur, d'où l'intérêt de mettre un else. Alors, donc cette fois on va faire pour les deux carrés rouges. Donc si on va mettre si la colonne est égale à 11 et la ligne est strictement inférieure à 4, donc 2 ou 3, donc c'est ce que j'ai mis, alors on va augmenter la ligne, donc B plus 1 affecté à B. Vous mettez un sinon, on va faire les verts. Donc les verts, c'est le même principe. Tant que, alors pour la colonne, c'est si elle est strictement supérieure à 9, et pour la ligne, c'est si elle est égale à 4, elle est ici. Alors vous allez vers la gauche, donc A moins 1 affecté à A. Et ensuite, pas besoin de mettre de condition, vous mettez directement B moins 1 affecté à B, donc j'entends par là augmenter d'une ligne, c'est-à-dire les deux carrés bleus, qui sont à peu près de la même couleur que les deux là, mais ils sont bleus. Vous avez donc le calcul, donc le bloc qui était ici, c'est le calcul des nouvelles coordonnées du point. Donc on l'affiche, voilà. Ensuite on met une petite latence, donc d'un dixième de seconde à peu près. Et vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Une petite animation, vous pouvez aussi ajouter un message chargement, aucun problème là-dessus. Donc il faut l'interrompre par contre. Et si vous voulez, on peut aussi bien évidemment mettre deux points. Alors d'ailleurs, je vais faire un petit rappel pour le deuxième programme. Bien évidemment, si vous avez une étape ici qui dure 10 secondes et les autres une fraction de seconde, ici vous mettez pas deux carrés, vous en mettez plus. Ou si elle dure une demi-seconde, vous mettez qu'un seul carré. À vous d'adapter vos carrés, etc. Vous pouvez bien évidemment rajouter aussi un texte qui affiche le pourcentage de progression, comme on va le voir après. Donc revenons au programme, donc c'est celui d'en dessous. Au programme, donc quand je vous montre de chargement, on va faire avec deux points. Donc alors là, c'est super simple. Eh bien, vous mettez encore un deuxième point. Donc je vais prendre les coordonnées GH. Alors pourquoi je prends AB et GH? Alors j'ai pris AB, donc je prends GH parce que c'est pas loin sur le clavier. Pourquoi je prends pas XY par exemple? Tout simplement parce que, là j'utilise des locate, mais si vous avez utilisé des pixelon, vous serez dans le menu graph. Et le menu graph utilise ces deux variables. Donc en général, il y a des interférences avec les variables. Et ça fait du n'importe quoi. Donc on a un nouveau point qui va être aux coordonnées 9, 3. Donc c'est le point qui est ici. Donc au début du programme, on aura ceci. Alors donc la boucle, elle commence déjà par effacer la fin du mini serpent, en fait, comme un snake, mais qui fait que 2. Donc aux coordonnées GH. Ensuite, on va affecter à G la valeur de A, à H celle de B. Pourquoi? Pour sauvegarder les anciennes valeurs, donc en l'occurrence c'est celle-ci
A, G et H, pour qu'au prochain tour, ça soit E qui soit effacé. D'ici là, on va calculer les nouvelles valeurs, donc alors, les nouvelles valeurs de A et B, donc du point coordonnée AB, et on va donc l'afficher ici. Donc là, c'est super simple, vous remettez le même programme que tout à l'heure pour A et B. Voilà, donc A et B ont été calculés, on l'affiche. La petite latence que j'ai réduite, parce que vu que le trait est plus gros, on le voit mieux. Et je vous montre, on a un petit chargement assez sympa. Voilà. Donc maintenant, je vais vous apprendre, pour terminer ce tutoriel, je vais vous apprendre donc à mettre en place ce genre de programme pour faire charger quelque chose. Alors, si vous voulez, vous faites comme le tout premier programme que je vous ai montré avec la barre de chargement, où c'est des étapes qui se suivent les unes après les autres. Alors là, bon courage. En fait, après chaque étape, vous affichez le point et c'est le seul moyen de faire quelque chose, mais ça, c'est pas très intéressant. Par contre, si vous avez un chargement qui se fait par une boucle, comme le deuxième programme avec les barres de chargement que je vous ai montré, là, cette technique de l'animation peut être assez sympa. Donc on reprend le programme, celui avec un seul point pour pas trop charger le code. Donc coordonnées 9, 2. Alors je me suis permis de... Alors voilà, je vous laisse lire ça. Je me suis permis donc d'afficher un genre de rail dans lequel le rond va tourner. Donc vous affichez ligne 8, donc colonne 8, pardon, et ligne 1, 2, 3 jusqu'à 6. Donc. J'ai aussi écrit chargement, 3 petits points. Et coordonnées 5,7, vous affichez un pourcentage. Et enfin, vous allez voir pourquoi. Et enfin, donc on a cette boucle. Donc là, j'ai mis une boucle fort qui va s'exécuter 1000 fois. Et donc, à l'intérieur, il y aura bien sûr une boucle à laguer qui représente les calculs à faire. Ensuite, vous utilisez donc le même programme. Donc on efface en AB, on efface aux coordonnées AB. On calcule les nouvelles valeurs de AB. Ici même, on affiche le nouveau point. Et je me suis, d'où le pourcentage, je me suis dit qu'on va mettre un indicateur de progression en pourcent. Donc aux coordonnées 1,7, vous affichez l'arrondi à l'entier de E sur 10. Alors, qui est E? La variable E, c'est bien sûr l'étape à laquelle on en est dans la boucle for. Donc si par exemple il y a 1000 cases de la carte à générer, par exemple, ça va vous indiquer en pourcentage à combien on en est. Donc au bout de 10 cases, vous aurez 1%. Ensuite j'ai mis une boucle for pour indiquer c'est la série de calculs génération de la carte. Pas besoin qu'elle soit très élevée parce que vous allez voir que rien qu'avec les calculs des valeurs des variables A et B, ça prend du temps. Mais bref, vous avez votre programme, donc je vous laisse voir ça. Voici un programme, donc avec le chargement, et à chaque fois, toutes les 10 boucles, on a à peu près un pourcentage de gagné, et bien sûr, il faut arriver à 100%. Donc sur ce, je vais pas aller à 100% parce que c'est long, et je vais vous laisser là, en vous rappelant que vous pouvez toujours me proposer des idées de tutoriels de programmation, de mise en pratique. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà. Salut à tous!